wife. My guess, Hey, content d'être là, mes amis. Puis, juste de même, une petite question. Y en a-tu beaucoup ici qui ont vécu les années 80? All right, ben, je fais partie de la gang. Et 46 ans. Hey, les boys. Hey, restez concentrés, la Gaspésie. Là, ils sont scrap. Ah. Restez concentrés. Ah. Hey, mes amis, on peut se parler, on peut se dire les vraies affaires en soi. Les années 80, c'est des belles années. Mais sexuellement, hein? T'es tranquille, hein? Je peux pas croire encore. Les jeunes aujourd'hui, là, vous me faites chier. Vous me faites chier. Vous avez tout trop facile. Mais rien, nous autres, le sexe, c'est un rêve. Chris, sur l'iPad, sur ton iPhone, man. Tu fais un joint chinoise tout nu, avec du double D, avec des fesses d'Amérindienne. Enter, car allez, c'est pas dur. Hey, nous autres, les années 80, là, Chris, fallait travailler, hein? Hey, on n'avait pas de sexualité de même, là, à portée de la main. Et tabarnak, on avait rien. Là, il y en a une gang qui vont se rappeler des bons souvenirs. Le seul accès. Hey, à cette heure, ils écoutent des films de cul sur le téléphone. Une petite carte SD, ils peuvent se rappeler à près de 10 000 films de cul. Nous autres, notre sexualité, une fois par 6 mois. On avait un film de cul qui passait. Les jeunes d'aujourd'hui, ils diraient sûrement, mais non, c'est un reportage, encore rien, c'est pas. Emmanuel, on va t'expliquer vite vite ce qui s'en avait l'air. Il appelait ça un film de cul, mais c'était des ombrages. Si on voyait des ombrages. Tu voyais des silhouettes, des bords de sein, des bords de nipple. Puis les scènes de sexe, ça durait, il y avait à peu près 2 minutes et demie de cul, on va dire, que nous on appelait, dans le film de 3 heures. Répète ça en 10-15 secondes ici de là. Tabarnak! Essaye de te crosser, toi! Non, mais les gens, ils ont plus de porno, nous autres, c'était ça! Fallait que tu sois prêt à tabarnak, mais 10-15 secondes quand t'es arrivé, on était prêt! Hey, quand t'as pas bien ça, un côté de fin, là, hey, tabarnak! Combien de fois j'ai abouti sur une annonce de Red Lobster? Hein? Ça, c'est une autre affaire. Vous connaissez pas ça? Des VHS. Tu m'as vu sur Google, t'as été chez Google.